C'est dans le Nord qu'on a eu envie de passer un petit coup de fil ce matin. Bonjour Vincent Ledoux. Bonjour madame. Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Député Les Républicains du Nord, bien sûr, vous partez en guerre contre les joueurs de Pokémon et vous voulez légiférer. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces joueurs? Oh, non, c'est bien plus pacifique que ça, parce que tout d'abord, je voudrais saluer une application qui permet aux gens de sortir de chez eux, de s'aérer, de marcher, de découvrir le patrimoine, tout ça est très bon enfant. Et de s'amuser. Sauf que, il y a quand même une chaîne de risques qui sont non négligeables derrière tout ça, qui concerne la sécurité informatique. Alors, ce qu'il y a de plus visible, c'est l'intégrité physique des jeunes. Vous savez, cette imprudence que l'on a lorsqu'on chasse tout en traversant la chaussée, lorsqu'on est amené à se retrouver sur des friches industrielles. J'ai un collègue maire de Marquette qui est très inquiet puisqu'il y a eu des intrusions dans des friches qui sont extrêmement dangereuses. Il y a aussi ce qui est plus visible en ce moment, les atteintes à la propriété privée. Une internaute m'a signalé qu'elle avait retrouvé dimanche soir en rentrant chez elle une vingtaine de chasseurs de Pokémon dans son jardin, après donc l'escalade de la clôture. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la sécurité informatique, c'est le droit à la concurrence, c'est la cybercriminalité, enfin un certain nombre de faits qui sont déjà constatés. Parce qu'il y a un risque au niveau des données personnelles ? Je le pense, et donc ça mérite qu'on y regarde de très très près, parce qu'on est au tout début finalement d'un âge d'or pour les applications en réalité augmentée, et donc je pense que le législateur doit intégrer ce champ, comme il l'a fait pour les jeux d'argent en ligne, puisque vous savez que depuis la loi de 2010, il y a une autorité de régulation des jeux en ligne, qui établit un cahier des charges, qui évalue la demande des commercialisateurs, qui donne des agréments et qui contrôle. Alors moi j'ai pas envie de rajouter de la loi à la loi, encore une fois, mais simplement de protéger les usagers, notamment les plus jeunes joueurs. Moi, j'ai discuté longuement dans l'hôtel de ville, qui était un lieu de rencontre de chasseurs de Pokémon hier soir, avec des jeunes de 16 ans, qui étaient eux très 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 soucieux de respecter la propriété privée, qui étaient très civiques, mais pour autant qui effectivement me disaient qu'il y avait parfois des jeunes qui étaient censés franchir la ligne rouge. Alors manifestement, Vincent Ledoux, vous dites que ça n'est pas conforme, en tout cas en l'état, à notre code de la consommation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté l'application, qu'on l'a téléchargée, on ne peut pas se rétracter. Il y a tout un tas de choses qu'on peut acheter aussi une fois qu'on est sur cette appli. Voilà, il y a le problème de droit de rétractation. Alors je sais que l'éditeur s'autorégule, qu'il y a des applications qui sont mises à jour régulièrement en fonction des plaintes qui sont déposées notamment aux États-Unis, mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui, on est simplement sur le champ de l'autorégulation, c'est-à-dire que l'éditeur fait finalement son propre ménage. Et moi, je souhaite qu'on y regarde de près, simplement pour nous protéger par rapport à nos données personnelles, sur nos lieux professionnels. Vous savez par exemple que l'armée israélienne a interdit l'utilisation sur ses sites du Pokémon à la suite d'un accident avec un soldat israélien. Donc je sais très bien, pour en avoir discuté, parce que j'observe, j'écoute et puis je discute, que certains sont amenés à chasser sur leur lieu de travail. Donc tout cela peut être lieu de collecte d'informations, et je ne sais pas où ces informations pourront être traitées et seront traitées. Voilà. Donc je pense qu'il faut... Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'écrire à Axel Le Maire. Voilà. Donc j'ai écrit à Axel Le Maire parce que c'était la possibilité qui était offerte pendant ces vacances parlementaires. Mais je profiterai peut-être du débat sur la loi sur la République numérique pour introduire un certain nombre d'articles ou déposer moi-même une proposition de loi. Mais je pense qu'à un moment donné, on aura besoin sans doute d'une autorité de régulation sur ce sujet. Bien qu'encore une fois, moi je veux tempérer, je pars pas à la chasse contre les Pokémon. Moi je suis ravi de voir des gamins qui aujourd'hui jouent et prennent du plaisir à découvrir la nature et le patrimoine, alors qu'on sait très bien que la sédentarité des internautes est un vrai problème de santé aujourd'hui, notamment de l'obésité infantile. Et moi personnellement, je suis un acteur qui lutte contre cette obésité infantile et les risques encourus pour la santé, mais pour autant je veux aussi les protéger, notamment ce qui concerne la sécurité informatique.